Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo incroyable, les gars. Les 20 victoires que vous connaissez sur Clash Royale. Et j'ai essayé de les faire avec mon deck Lockbait. Et honnêtement, ça s'est très mal passé. Du coup, on m'a dit d'aller voir sur YouTube Lemonty. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un YouTuber qui tout simplement fait des decks. Et j'ai testé un deck. Et vous allez voir, il est incroyablement fort. Et je tenais aussi à vous dire que les gars, tout simplement, ça je l'ai fait en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre. Surtout que samedi à midi, à l'heure où sort cette vidéo, je suis aussi en live sur du coup ma chaîne Twitch. Où je vais sûrement me faire coach par l'un des meilleurs joueurs français sur Clash Royale pour essayer de faire les 20 victoires. Honnêtement, je pense pas y arriver, mais on va essayer de s'en rapprocher en tout cas. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis tu vas voir le deck qui est vraiment très très fort. Vous n'avez pas un deck cheaté là? Y a pas un deck qui est trop fort là? C'est quoi le deck le plus toxique, plus que méta? J'en ai rien à faire moi, j'en ai vraiment rien à faire de jouer. J'ai joué le deck le plus toxique qu'il faut, le free win. Les Monty, c'est qui le Monty? Les Monty. Celui-là est fort là. Donc voilà un petit peu. Celui-là là qui est bon là. Mais le pêcheur, je sais pas jouer le pêcheur, wesh. Donc, du coup, le deck que je vous ai présenté, que j'ai commencé à vous présenter hier, puisque comme je vous ai dit, il y aura une autre vidéo beaucoup plus poussée, enfin avec surtout des games de meilleur niveau qui arrivent dans la semaine. Et du coup, c'est un deck géant royal foudre. Il est extrêmement efficace et surtout, il est très surprenant puisque personne ne le connaît. Il n'y a qu'un joueur pro en fait qui l'a créé, c'est le seul à le connaître, sinon les gens ne le croient jamais et ne le connaissent pas du tout. Donc c'est vraiment ça notre value, et là vous le sentez, la foudre là les gars. Vous la voyez venir ou pas? Putain, et j'arrive plus à parler. Hein. Ah non, il va la petite foudre les gars, hop, petite... Bon là on n'a pas besoin de foudre puisqu'il y avait guérisseuse et tout, c'était trop dangereux. Voilà, on vire la guérisseuse, c'est très important. Les pêcheurs, les placements de pêcheurs sont ultra importants, pourquoi? Puisqu'on peut retirer la guérisseuse du reste du push. Ah, mal, ok, Dragalek au middle qui va pas être suffisant, frérot. Hein. Je sais pas, t'es au courant, mais. Ouh! En fait, ça sert à quoi? J'ai pas compris. Ah, t'es chiant là. Par exemple, quand il y a des squelettes qui meurent, ça va. Ouh! Ouais, ça ramène de la vie dans le truc. Ça fait quoi en fait? Ça sert à quoi? C'est juste. C'est pour faire beau? Ok, ah, Dragalek au middle qui va pas être suffisant, frérot. Hein. Je sais pas, t'es au courant, mais. Ouh! Genre, en gros, ça augmente, je comprends pas, ça sert à quoi? Ah t'es chiant là. Ah ça va se plus de squelette vraiment. J'avoue t'es un peu relou frérot. On va kite ah, ça tranquillement. Trop fort. Surprise. Eh ouais mec. Oh là là, tu l'avais pas vu venir celle-là hein. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah celle-là les gars, je suis sûr qu'il l'a pas vu venir. Bonne chance. Oh le deck est incroyable. Le deck les gars. J'ai pas envie de vous spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler ce que j'ai fait dans la vidéo où je joue ce deck. Mais il est incroyable. Franchement le deck là. Zap. Bah je sens que je vais jouer, je vais me faire appoutrer, je sens. Les decks surprises, moi ça me. C'est plus moi que ça surprend. Le zap. Ça surprend plus moi que lui en fait. Pas de zap. Pas de zap, pas de chocolat les gars. Hop. 3-0. 100% de victoire. Oh la deuxième couronne. Et la deuxième couronne qui tombe. Magnifique. Ouais. Oh, il a plus de zap, let's go! GG! C'est ouais, GG, bon. Les gars! En vrai, ça a l'air fort, hein! Allez! Maintenant, les gars, passons à la réalité. Voilà, ça c'était tout simplement. Ça c'était vraiment le. Comment ça s'appelle? Le comment ça devrait se passer. La réalité va être tout à fait différente, hein, sachez-le. Hein. La réalité va être très différente, même, j'ai envie de vous dire. Hein. La réalité maintenant. La réalité, les gars, ça va pas être la même. Hein. Ça a l'air facile, hein! Ça commence déjà pas très bien là. Ça commence déjà pas ouf. Bon. Hey. Ok, en vrai ça va. Oh, les placements sont désastreux. Ah, des placements, t'as peur, hein.
Ah, c'est. Ouais, bon, bah, je comprends pas ce qui se passe, mais on a mis des dégâts. Mets-moi une autre troupe là. Ah ouais, le foudre, et foudre surprise. Mais le foudre surprise, ça a pu s'attendre, par contre, wesh. Mais foudre surprise de rien du tout, wesh. La surprise, ça marche que dans la vidéo, hein. La foudre surprise marche que dans la vidéo, ça. Regarde, foudre surprise, regardez. Comme dans la vidéo. Mais vas-y, mais... Et pourquoi il a pris le truc, là? Ah, il l'a enlevé, la... Foudre surprise un peu sur le côté, quand même. Ah! Ouh, on a encore eu de la chance. Alors, on peut peut-être gagner, hein. Let's go! La foudre surprise! Bah, les gars, moi, je... C'était fort que je défends comment, ça? Ah ouais, mais... Aïe. Il veut pas l'amener plus loin aussi? Ouais. Oh, lui, des coups de poisson, là. Oh là. Je crois que le pêcheur, faut pas utiliser comme ça, je crois. J'aime. Oh, il va être chargé comme jamais, là, non? Ah, les passes! Non! Allô, il dort! Mais wesh, ouais, il dort, le cous, aussi. À l'attaque! Voilà! L'armée de gobelins! Oh my god! Ah, de squelettes, merde. C'est des gobelins blancs. Je suis pas raciste. Merde, mais je passe trop mal mon pêcheur, je crois. Bon, des petites erreurs de placement, c'est rien. Allez. Non, ils vont spawn? Ils vont tous spawn ou pas? Ah, ils spawnent quand même. Oh là là. Oh my god. Oh là là. Et le 3 victoire, let's go. Merci beaucoup, les Monty. Je suis devenu trop fort au jeu grâce à toi. Merci beaucoup à toi, comment il s'appelle là? Il s'appelle comment, tu sais, je m'appelle plus. Ah oui, citron vert, non. Théo Citron là. Merci beaucoup. Let's go. Bon. Après, les mecs sont pas très forts. on va être honnête aussi. Oula. Comment je défends ça, en fait? Foudre surprise? Foudre surprise! Foudre surprise. Bon, là, il était peut-être pas trop surprise, le foudre. J'ai plus d'élixir. Oula. Bon.
Bon, ça va être compliqué là, je le sens pas trop. Hein. Faut pas vous mentir, les gars, là. On teste des decks de mecs là qui. Quoi? Il peut pas tirer à travers la rivière? Quoi? Mais je pensais qu'il allait tirer à travers la rivière, moi. Wesh, quel bail! C'est une strat, regardez, comme ça il va bien, il va se remplir, il va se gorger de squelettes. Là il va, regardez, il se gorge de squelettes là, et là ça va spawn. Et là il va plus savoir quoi faire, le tank directement qui est pris. Et l'armée de squelettes qui va attaquer derrière. Et là c'est la finito pipo. Oula, peut-être que j'arrête de gueuler, les voisins ils en peuvent plus là. Merde, je le passe trop mal, en fait je prends. Ouais, c'est fort, hein. Parce que là, regardez, il est chargé au max, hein. Dites-vous que là, le mec est chargé, hein. Et là, ça va envoyer, hein. Et là, ça... On se fait envahir. Il se fait envahir, les gars. Laser, c'est trop fort. Oh, mais wesh. Ils sont nuls ou c'est moi qui... Oh là 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 là. Let's go. Du coup les potes, c'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu de t'abonner, et puis si t'es chaud, bah n'hésite pas à me dire, on pourrait demander ta Lemon Tea de me coach, je le connais pas spécialement, il a l'air cool, bref, n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, je suis actuellement en train de tryhard ses 20 victoires, c'était Cocteau, ciao.